Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis, dans notre série consacrée à la France révolutionnaire. J'ai été en train de regarder un peu qu'est-ce qui se passait, et bon, voilà, on est en train d'ouvrir tout le monde. Le seul problème maintenant, c'est cette surexpansion qui est pénible. On pourrait la gérer, cette surexpansion, mais... C'est pénible. C'est pénible, on court partout, avec... Voilà, faudra me... Je sais pas, cette surexpansion c'est pénible. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est à cause des niveaux de développement. Voilà, c'est. Ouais, il faut éviter de dépasser, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Je trouve que ça bride et je crois pas qu'il y ait de politique d'efficacité administrative. Enfin, je ne pense pas. Hein. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Je suis en train de regarder, mais non. Donc, bah non. Du coup, on pourrait restaurer l'Empire romain. Ouais, bon. Pas trop l'intérêt, parce que je l'ai déjà fait. Bon, ceci dit, on a encore le temps. Hein. La dernière fois, on était en 46, un truc dans le genre, il s'est passé 4 ans. Je dis, bah, 46, il s'est passé 8 ans. 6 ans, waouh, excusez-moi, je tourne beaucoup d'épisodes à la suite, là, un peu la fatigue. Donc reprenons, nous en étions. Bon, ici, on va mettre des baffes, là, toi t'arrives enfin après avoir traversé la moitié du continent. Bon, toi tu vas où? Si on peut t'ouvrir en deux, on va le faire. Hein. Je sais pas du tout où tu vas aller, tu vas peut-être aller à Goa, je pense. Bon, on va taper un de plus en réputation diplomatique, comme ça nos vassaux nous lâcheront. Ensuite, l'Espagne, ça se passe comment? Ça se passe relativement bien, par contre ça prend un temps monstre. C'est dû à quoi que ça prenne autant de temps? Mentalité défensive, ouais. Bon, après on n'a pas nos... C'est un fort côtier, c'est... Ouais, c'est compréhensible. Ici, bon, ils sont en train de tout reprendre, c'est pas grave. Nous, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est alors leur rouler dessus comme ça. Bon, là, c'est bien, tout est en train d'être pris, c'est parfait. On pourrait faire une guerre, encore une fois, contre les Mamelouks. Chose qui est totalement viable, hein. À ça près que ici on a que des transports. Et s'il y a des flottes ennemies dans la région, parce que si on attaque les Mamelouks, il faudra attaquer eux. Après on pourrait les vassaliser de force. Je sais pas, ils ont combien de développement. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut voir leur développement à ces messieurs. Parce que Emile m'a proposé de vassaliser Khmer. Je trouve ça pas trop mal. Faire une petite Indochine avant l'heure. Une Indochine française, bien évidemment. Mais je ne vois pas leur développement. 27. On est combien en tech, nous? Ah, ils sont à jour dans leur tech. Bien joué, les gars. Ouais, il faudra peut-être voir. Ou leur déclarer directement la guerre, parce que bah, parce qu'on peut. Hein. Voilà, et en plus, les Mamelouks viendraient. Donc, on pourrait. Mais là, on est déjà empêtré dans un... Pas dans un bourbier, mais bon. On en a quand même pas mal. Donc ouais, on va faire ça, mais on va calmer les choses ici. On a toujours notre guerre contre Nassau qui est en cours, ça me fait rire. Ça me fait tellement rire. Voilà. Alors, on a une révolte, une. Bon, vas-y. Non, t'as pas envie? Bon, bah vas-y comme ça. Si t'es pour les rebelles, fallait me le dire avant, toi. Est-ce qu'on peut construire des choses? Manufacture, ouais, bon allez, on va commencer à faire des belles manufactures. Est-ce qu'en armée, on peut faire des choses? Ouais, voilà. Est-ce qu'en prod, on peut faire des choses? Voilà. En prod, on a déjà regardé. Ici, ouais. Commerce, peut-être? Ouais, bon, voilà. Peut-être les quais, à la rigueur. Les bateaux se réparent légèrement plus vite.
et peut-être un peu booster nos vassaux, nos marches. Voilà, je pense qu'ils seront contents. Même si ça nous fait gagner un peu moins d'argent, c'est pas grave. Je pense qu'on tiendra le choc. Grèce, t'as rien d'autre? Si on inclut nos dépendances. Ouais, bon, chez Zapik. Ouais, bon, voilà, tu seras content. Ouais, voilà, tu seras content. Danemark, ouais. Au Danemark. Voilà. Oui. 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 Ça, on évite que la Grèce soit en pénurie. Ok. Armée maintenant. Voilà, là, ça commence à me parler tout ça. Jutland, ouais, ouais. Mince, c'est pas grave. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, comme ça, ils auront des troupes. Puis eux, ils auront de la réserve. Comme ça. Hop, 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 hop. On gagne combien par tour? Oh, on gagne plus que 500, mon dieu. Voilà, manufacture. Il n'y a pas une petite manufacture qu'on peut faire chez nos alliés? Ouais, pas grand-chose. Commerce... ça ici quelque part, Palerme, voilà, il serait content comme ça. Et bon, bah, je pense que c'est déjà pas mal tout ce qu'on leur donne. Un petit gouvernement peut-être. Ouais, vous en avez besoin, allez, je vais vous filer un coup de patte. Et commerce, alors là, on va éviter de leur donner trop à nos colonies, parce qu'ils vont garder plus d'argent pour eux. Même si, bon, voilà. Les jeunes pour. Voilà. Et maintenant, on va refaire un petit tour. Bah, de nos dettes. Bien. T'as pas de dettes. Je suis fier de toi. T'as pas de dettes. Pas de dettes. Danemark, t'as pas de dettes. 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 Ok, parfait. Ah, une révolte. Ah, bon, je pense qu'il devrait gérer quand même. Ouais, bon. Il y aura de l'agitation, c'est tout. Non. Non, pas du tout, en fait. Faut vraiment que ça se termine, ces trucs. Bah, Vijayanagara, franchement... Non, pas eux. J'ai pas envie de leur déclarer la guerre, c'est notre vassal. On pourrait leur donner des provinces. Bah, on pourrait accorder des provinces à notre vassal. Genre... Qu'est-ce que tu pourrais retourner... Non, tu veux pas. Ouais, non, ça, ça sert à rien. Mais tu revendiques rien, en fait. C'est perturbant, quoi. On va te donner Goa aussi. Voilà. Ok, du coup. Ah, c'est vrai qu'on a encore des troupes qui sont en Anatolie, ils sont en train de s'amuser. Ça commence à bien faire par contre. Par contre, vos troupes qui sont ici, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Il va peut-être attendre que le quart tombe, c'est ça? Ah non, sérieusement. Et on n'avait pas construit notre fort. Ah, et puis notre fort est annulé. Bon, on va prendre le 4 de siège. Pour terminer ça rapidement. Bon, très bien, prends des provinces. C'est très très bien. Voilà, 49%, ça c'est encore mieux. Ici, alors, comment dire? Dégage. Athènes,
la populace. Voilà. Allons lui filer un petit coup de main. Est-ce qu'on est en... Bon là ça devrait tomber instantanément. J'ose espérer. Allez, tombe, tombe, tombe. Ah, peut-être avec play ça sera mieux. Non, ce n'est pas tombé. Là on va les ouvrir en deux. Là on va les poursuivre. Non, vous irez nulle part les gars. Là, ils ont quand même des canons les messieurs. Bon ok. Ok. On va gérer ça aussi rapide que possible. Général qui est disponible. Philippe. Voilà. Mais après voilà. Ensuite, là on les a fait mis en déroute, je suppose. Voilà, on va aller retourner ici. Bon là, ça peut tomber ou pas? Allez, ça tombe. Voilà, merci. Et du coup, le fort, il faut le reconstruire. Non, ça va, il était juste mis en pause. Parfait. Bon, on va aller ici, hein. Ça commence à bien faire. Alors, instabilité, agitation dans le pays, non, ou 5 ans. Non, bah non, on n'a pas spécialement besoin d'argent plus que ça. Bon voilà, super, l'Honduras, tout ça, c'est à nous. Alors, si c'est à nous... Ah oui, c'est tout ça, ouais. Bah ça sera une colonie, une guerre contre les Espagnols, du coup. On va peut-être convertir, du coup. Genre ça. Hop, ça. On va relégitimer ça maintenant. Entre. Alors déjà des fanatiques à Rhodes. Ça c'est très très débile. Bon voilà, tu vas prendre celui qui a. La flotte commerciale? Ouais mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées mon cher. Voilà. Et ici. Elle traverse la moitié de l'océan. Ici maintenant, on va s'occuper de ça. Vijayanagara, t'en es où? Bah quand même ta capitale. Hein. Bon, honnêtement, moi cette guerre avec Vijayanagara, c'est plus pénible qu'autre chose. Bah, c'est pas vrai, même prendre des provinces moisies, c'est pas viable quoi. Faible, bon ils vont descendre, hein. Plus le temps va passer plus ils vont descendre, mais même ça c'est waouh compliqué, hein. Pourtant on a leur capitale, ça par contre je sais pas c'est quoi comme type de fort, mais mon dieu, on peut prendre une tech en avance, la tech diplo, ouais non, plutôt développer le pays encore une fois. Développons, développons. Voilà. Le Hainaut. Voilà, c'est pas trop mal. Ah, ça c'est pénible par contre. Nos troupes, elles se situent où en fait? En... Elles remontent, c'est ça? Je vais dire... Alors ça c'est quoi? La nouvelle Gaule. Alors nouvelle Gaule, tu vas là s'il te plaît. Tellement de trucs. Nouvelle Gaule, là. Merci.
On a remporté le siège de Grenade. Très bonne nouvelle. On va aller là. On va aller ici. Là, on va aller là. Ici maintenant. Bon, une fois qu'on va prendre ces deux forts, je pense que ça va nous donner pas mal un score de guerre. Wow, joli bug. Voilà, on a pris le siège du jeune pour. Toi, t'as des problèmes avec des séparatistes, c'est bête. On va aller... Non, tes séparatistes, on va te les laisser, écoute. On va retourner ici. Ah, t'as remis le couvercle. Bien. Non, ça me gêne pas. Oh! On va aller là. Hein. Ok. Donc on va aller là. Tu vas où toi en fait? Ah oui, parce que t'es en mode neutralisation des rebelles. Ok. Reconstruire des choses, oui. Mais où? Ouais, je sais pas. Bon, là, pour le moment, honnêtement, c'est pas trop le problème. Bon, voilà, là, ça va être repris, c'est très bien. Les révolutionnaires espagnols occupent des choses. Ah, donc, des révolutionnaires espagnols. Intéressant. C'est nous, les révolutionnaires. Et là, tu vas faire comment? Ah, voilà, évidemment. Marche forcée, ici. Ouais, mais non. Cadiz. Je veux que personne nous aime. Je veux être ennemi de tout le monde. Ah, notre flotte arrive enfin. Voilà, va par là. Tu veux passer parce que t'es en guerre contre la Perse. Ouais, pas si tu veux, je m'en fous. T'es en train de gagner ou pas en fait, Perse? Non, t'es en train de perdre. Rache. Bon, là, ça serait bien que ça tombe. Voilà, on va récupérer... Bah voilà, il fallait juste crier un coup. Donc, maintenant, Vijayanagara. T'as faible. Mais pourquoi tu veux pas ces trois maudites provinces, en fait? C'est la durée de la guerre. La guerre, elle a commencé quand, en fait? En 5 ans. Ça fait 3 ans. Et pour toi, 3 ans, c'est trop court. Ça, ceci dit, on pourrait le donner à... Ouais, mais le Bengale, c'est à nous, en fait. Bon, on va voir. Moi, ça me gêne pas de continuer cette guerre, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Un 4 de siège, s'il vous plaît. À Quinto. Oui. Oui, d'accord. Ah, t'as terminé ta guerre. T'as mangé des trucs, du coup, ou pas? Parce que j'ai pas trop bien vu. Paix blanche. Oh, bande de tocards, quoi. Quelle bande de tocards. Même pas foutu de gérer une guerre, quoi. Bon, ici, on va aller... Ils se foutent de moi. Bon, c'est pas grave. Alors, dans le trésor ou 50 points administratifs? Ouais, bah dans le trésor. Waouh! Ah ouais, vous en avez fait du chemin, les gars. Rod. Bien, on y était. On peut revenir ici. Alors, Molo. Teke, c'est où?
C'est là. Quinto. Ok. Alors, retournons ici. Et allons dire bonjour aux nobles. Continuons les conversions. Bon, là, on va bientôt pouvoir terminer cette guerre. Nassau, ouais. Ouais, non. Juste attendre que... Waouh. Par contre, ça... Bon, c'est pas trop... Ah non, ça, c'est très mauvais. C'est très débile. C'est tout ce qu'on veut. C'est une mauvaise idée. À part là, s'il te plaît. Ouais, bah, en fait, il y est déjà. Donc, vas-y, allez-y tous les deux. Une tech en avance, non. Je préférerais prendre terminer ça pour avoir le plus 5 de discipline. Hop là. Il nous donne un revitesse et recouvrement de morale terrestre. Et là, du coup, on est à... Bah, on a quasiment tout. Alors, on a encore plus de discipline qu'avant. Voilà, c'est bien. On termine tout ça. Alors, on va appuyer sur C plein de fois. Hop là. Voilà. On va faire la même chose encore une fois. Voilà. Du coup... Je pense pas que ce soit utile de rester plus longtemps que ça. Voilà. Maintenant, on est à combien en surexpansion? On est qu'à 3. Donc, ici, ça. Alors, là, t'acceptes, hein, c'est bizarre, t'acceptes. Non, en fait, ces îles-là... Alors, on va tout recommencer. Tu vas... concéder le Canada, concéder l'Amérique, la Louisiane, la Californie, la Plata, le Brésil. Tu deviens... vassal de France révolutionnaire. Non. Non, je m'en fous. Tes îles moisies, tu te les gardes. Je m'en fous. Par contre, moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Ouais, là, ça fait plus de score de guerre. Donc, il va falloir faire une paix séparée avec Venise. Ça me gêne pas. Alors, on va effacer l'offre. Oh, joli le bug. Venise. Je veux la paix, je te veux. Voilà, on va commencer par ça. Je te veux, t'existes plus. Voilà, merci. C'est un peu plus bleu. On va légitimer ça de suite. Ensuite, on en a combien en surexpansion? On est à 23%. Ok, très bien, pas de soucis. On va terminer notre guerre contre Vijayanagara. Bon, on pourra peut-être rien leur prendre de concret à Vijayanagara, mais bon, c'est pas grave. Même ça, et tu veux pas, putain. Parce que c'est Goa, c'est ça, hein. Pas une autre province que tu pourrais donner à... tu veux... Ah, il y a un truc que je comprends pas. Transoxiane, c'est quoi le délire avec Transoxiane? Pourquoi ça fait plusieurs fois que Transoxiane, on peut les voir en fait. T'as allié à Aden, à Hormuz. Tes rivaux. Tu as influencé Hormuz, t'as le droit de laisser... C'est comme si c'était une de nos colonies en fait, j'arrive pas à comprendre. Ils nous kiffent, ok. Ils garantissent l'indépendance. On peut leur déclarer la guerre. C'est bizarre, je peux leur donner comme si c'était... Ou ils ont rejoint la guerre peut-être. Ouais, ça fait déjà deux fois les gars. On va peut-être avoir une personnalité au bout d'un moment. Notre cher vassal, tu es où? Tu es là. On va te donner tout ça, si on peut, bien évidemment. On est gagné. Je pense que peut-être ils ont des... Ils doivent avoir des doctrines. Ouais, ils ont quoi?
Ils doivent avoir des doctrines spécifiques en fait qui leur. Dès qu'on leur prend quelque chose, je veux dire 40 pour une province qui. À moins que ce soit une grosse province, hein. Ouais, 32, ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, c'est peut-être pour ça alors. Ok, my bad. Alors, on va leur donner des provinces qu'on peut leur donner. Hein. Ça c'est quoi ça? On pourrait le prendre pour nous, ça c'est un vassal. Donc si on fait la paix, il faudrait le bouffer. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va recommencer comme ça. Effectivement, on va donner 30 de développement à notre vassal, donc ouais, c'est compréhensible. Je sais pas ce qu'on peut leur donner de plus. Nous, on peut rien. Bah, tu fais ça, écoute. T'en es quand même vachement loin pour si peu, c'est... Garja devient vassal. C'est ça Garja, ouais, on s'en fout de Garja. Donc ouais, on va leur donner juste. Ils vont juste prendre deux provinces. Bon après c'est une province quand même à 32 développement, c'est pas mal du tout. Je pense que vous appréciez l'idée. Ah non. Bon bah si vous appréciez pas, j'en fous, je vous le donne quand même. Allez. Voilà. On a des armées Black Flag, donc on va revenir ici. Et là, ensuite, Espagne. Espagne, ma chère Espagne. Alors, Pays-Bas, déjà. Ah, c'est un vassal. Oui, ok, d'accord. Bon, on récupère tout ce qu'il y a à nous, en fait. On récupère toute l'Espagne. Bah, allez, toute l'Italie. Alors, on va tout recommencer. Tu nous cèdes. Le Canada, ça. Voilà. En plus de ça, tu me donnes le ce que t'as en Italie. Hein, parce que pourquoi pas. Voilà. On pourrait quand même continuer à manger des choses. Alors Castille, ça passerait tout seul. On pourrait faire quelque chose comme ça. Et ça. 62%. Ok. Et si. Et Nassau en fait, parce que ça fait un bail qu'on est en guerre contre Nassau. Si on vous bouffe entièrement. Ouais, ça ferait une 32 surexpansion à la France. Waouh. On va laisser l'Espagne. Comme ça. Pour le moment. Par contre, si tu peux casser tes alliances, tu vas les casser. Est-ce que tu peux casser tes alliances? Ouais, avec Vijayanagara, ça m'intéresse pas. Garde les Mamelouks, ça peut être rigolo. Et bon, on va prendre juste ça en plus, alors. Voilà, on récupère toute l'Italie. Ils concèdent toutes leurs colonies. La Plata, le Brésil, etc., etc. Ils perdent tout. Je crois pas qu'ils aient grand-chose en Océanie. Ah, si, ils ont des choses en Océanie. Tiens donc. Alors, à la rigueur, garde ton Vijayanagara. Et donne-moi ça. Merci. C'est mieux. Et... Alors ça, je crois que ça fait partie des chartes ou pas ? Est-ce que ça fait partie des chartes coloniales? Non, c'est juste des îles, en fait. C'est bien ça, hein? Ouais. Ouais. Avoir des îles pour avoir des îles, je vois pas trop l'intérêt. Donc. Ça, c'est Vijayanagara qui a ça. Ah, on aurait pu leur prendre. C'est un mauvais calcul de ma part. Bon. Après, honnêtement... Je vais le dire. Voilà. Donc, Espagne, on bouffe tout ça. Ouais, c'est pas trop mal. On pourrait leur bouffer plus, hein, ceci dit. Ouais, on pourrait leur bouffer plus, mais... Leur Castille, quoi. Bah, Madrid et Castille. Ça ferait 30, et là, ça passerait à peu près. Ouais, on va faire ça. De toute façon, on peut pas faire plus, hein.
Mais par contre, tu casses pas ton alliance avec Vijayanagara, c'est ça? Non, bah en fait, je veux que tu casses ton alliance avec Vijayanagara, parce que ça me gave, Vijayanagara. Ah, c'est... Non, t'es sérieux? Bah, casse ton alliance avec Vijayanagara, voilà. J'en ai marre de me battre sur 25 000 fronts. Donc voilà, on pourrait faire ça. On mange rien en Espagne, mais on récupère plein de choses. Et puis, bah go. J'ai envie de dire go. Bah merci d'être venu Espagne, mais t'existes plus dans le Nouveau Monde. Balat. Alors. Alors, pause déjà, on va attendre. Mince, j'ai pas vu où étaient les rebelles. Ah, ils étaient là. Ok, parfait. Tu vas y aller. Alors, on va commencer par ça. On va légitimer tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Tout ça, c'est à nous. Ah, j'avais pas vu, mais je crois qu'on a une hégémonie des marchands. Et ça, ça ne me... Ah, ça doit être un vieux bug. Bon, voilà, la Nouvelle-France est là. Elle est dans la place. Ce qu'on va faire, c'est que bah, on termine nos missions. 22 prestiges. Bon, ouais, voilà, de toute façon. Histoire de dire qu'on a tout terminé. Oh, c'est trop mignon, il reste un truc, là. Parfait. Donc, reviens ici, reviens ici, reviens là. Toi, s'il te plaît, va casser des dents. Ici. Toi, à la rigueur, avec tes bateaux, va ici et bah, amuse-toi bien, parce que tu auras un petit chemin à faire. On va peut-être recruter un amiral. Voilà, juste pour être tranquille. Ensuite, on va terminer notre guerre. On va attendre que notre bonhomme revienne. Alors, premièrement, coup d'état, on va faire ça. Nos dépendances, voilà. Voilà, tu commences par celui qui est le plus cher, évidemment. Ensuite, j'ai vu un bouton tout à l'heure. Mais j'ai peut-être mal vu. Indépendance de la Valachie, bon, on va y être. Ah oui, c'était ça que j'avais vu. Autant pour moi. Hop, hop. Ici et là. Ça, on aura plein de charbon. On va peut-être même avoir le succès. Maintenant sur expansion, on en est à combien? On en est à... Ouais, ok, ça passe. Donc la S, bah, Nassau, je veux dire. Oui, ça passe. On te bouffe entièrement, t'existes plus. Coalition, ouais. C'est surfait. Voilà, parfait. On a combien? On a... Ouf, le calcul. Voilà, kiffé. Maintenant, on a un problème avec notre ordre. Alors, je comprends pas. Pourquoi, étant proie à un désastre, les bourgeois sont pas à 80% les bourgeois. Non, c'est bon. Par contre, les clercs commencent à tirer la tronche. Alors, on va faire un petit coup de clerc quelque part. Où est-ce qu'on peut vous donner les choses, les clercs? Bah voilà, ici, c'est pas trop mal. Tiens, poisson, ça te branche? Bien sûr que ça te branche. Neutralisation des rebelles. Ok, bon, ça c'est une bonne chose. Là, on va les ouvrir en deux. Bon, ça commence à avoir de la tronche quand même. Hein. Et là, on n'est plus en guerre. Hein. Vite, retournons en guerre. Mamelouk, oui. Déclarer la guerre. Personne vient à part tes gens. Alors, go. Et je pense que déclarer la guerre aux Portugais, ça peut avoir un sens aussi. Bon, déjà on leur explose les dents. Voilà. On n'a pas de diplomate envoyé, c'est pas grave. Alors pourquoi déclarer la guerre au Portugal? Bah pour récupérer tout ça en fait au final. J'ai envie de dire. Donc Portugal. Hop. Propager la révolution. Alors, Portugal, t'es allié à qui? À qui es-tu allié, mon cher? À personne, c'est Noël. Ok, donc tu ferais venir tout le monde.
Est-ce que nos troupes... Ouais, nos troupes sont prêtes. Après, ceci dit... Pff, ouais. On pourrait, hein. Pour démontrer la supériorité. Bon, allez, go. Voilà, ça c'est fait. Donc, bah, on y retourne. Hein. Est-ce que l'Espagne accepterait de nous faire passer? Non. Est-ce que... Alors, on peut prendre une doctrine. Construire le canal de Panama. Non. Rien à faire. Voilà qui est fait. Ensuite, Bohème. T'es allié à personne. C'est ballon. Hein. Alors, on va attendre. Voilà. Bohème. Ah oui, t'es allié à tu t'es allié au port... Ouais, bon, honnêtement. Ce que j'aime bien, c'est que les Danois, ils voyaient un truc. Bam, allez, c'est bon, les gars, on peut y aller. Toi, t'es allié à qui? Tu dois t'allier à personne. C'est dérisoire. On va aller te foutre des baffes. Ouais, ça, par contre, c'est le gros risque. D'avoir des troupes quand même dans le coin. Par contre, je ne sais absolument pas. Ah, elles sont là. Bah, déjà, va. Je prends... Bah, voilà, c'est parfait. Tu vas aller jusque là. Et tu vas terminer la guerre assez rapidement, s'il te plaît. Alors, tu vas faire ça, ça. Et tu vas aller jusque. Dans le... Voilà, tu vas aller jusque là. Ça les calmera. Ici, je pense que ça devrait le faire quand même. Notre colonie devrait s'égérer, j'espère. On va attendre que les bateaux de transport arrivent. Alors ce que ça donne, on va essayer de les sortir déjà. Bon voilà, on termine ça, c'est très bien. Wow! Alors à Nietzsche. Ouais, ok. Suppression auto des rebelles, s'il te plaît. Bien, tu commences par celui qui est plus utile. C'est très bien. Perte de ducats, on va perdre des ducats. Osbourg, t'es allié à personne. Dommage. Oh, on va peut-être mettre un général. Non pas qu'il me fait peur, mais un peu quand même. Bon, après, ils ont pas leur morale. Bonjour. Au revoir. Ouais, là, ça va être... Ça va être le risque, là. Après, ceci dit, on pourrait tenter une... Un petit débarquement en fufu ici. Bon, ils ont que des flottes de transport. On va tenter le débarquement. On va le tenter ici le débarquement en fait, compte. Même là en fait. Ça sera plus simple. Ouais, là tu vas t'occuper des rebelles, j'espère. C'est très bien. Ici on va bientôt faire tomber le fort. Alors, pipil au colombien. Bon bah c'est bien, on va être devant. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Excusez-moi, je fais de passer. Alors, c'est très bien. Hop. Bon, je peux pas tout faire là par contre. Hein. Bon, on va se calmer un peu. On a remporté le siège, c'est très bien. On va tout dégommer. Hein. La Bohème, elle est assez badass quand même, hein, dans cette... C'est le Danemark qui est moisi, au choix. Au choix. Peut-être prendre une tech? Non, pas encore besoin. Bon. On a tellement d'argent, mon dieu, c'est scandaleux. Oups. Bon, c'est pas grave. Ok, ouais, là, il va falloir faire les choses rapidement, je pense. Voilà, qui est ici. Bon, c'est bien, on est en train de réduire tout ça. La belle époque, ouais. Ah, les Espagnols sont dans le coin, parfait.
On va se regrouper et on va les attaquer. Les Espagnols. Les Portugais. Alors, par contre. Excuse-moi, mais... Tu peux... Non ! Misclic. Bon, c'est pas grave. Supprime. Non, tu veux pas ? Bon, tu vas faire ça, et tu vas aller là, s'il te plaît. Et tu vas arrêter d'être stupide. Ouais. Alors, excellent ministre. Oh, très bien. Par contre, ouais. On n'a pas de général, là. C'est peut-être un peu dangereux de faire ça. C'est très dangereux, même. Oui, on va voir ça après. On va consolider, juste. Parce que ça peut nous faire très mal. Hein. On va voir. Mais non, même pas. Alors, je veux bien que tu... Ah, on a perdu... Mais on va refaire un Philippe. Et on va terminer là-dessus. Philippe 10. Morvan. Allez. Bah voilà, ça c'est un Philippe. Allez. On l'appelle le Panzer dans le milieu. Bon, très bien. Ici, est-ce qu'on a débarqué? Bon, effectivement, j'ai mal géré. On va faire... Ah, bien! Bien, très bien. Si on peut leur demander... Si on peut dire aux Mamelouks de leur concéder... qu'ils nous concèdent, je veux dire, la... L'Australie, ça peut être très bénéfique. Quelqu'un de disponible, voilà. Mais non, mais... Mais, alors, suppression auto des rebelles, s'il te plaît. Oui, tu commences par celui qui est loin. Alors, ouais, plus d'autonomie, comme ça il nous laisse tranquille. Suppression automatiquement des rebelles, s'il te plaît. Non, en fait, n'y va pas. Dégomme-leur juste. Montesquieu. Ah ! Très bien. Bon, ils vont gérer tout seuls, je pense. Marie-Antoinette. Alors. Ouais, mais Marie-Antoinette, en fait... On a quoi en diplo? On a un moral naval. Bon, allez, on va jouer roleplay. Allez, Marie-Antoinette. Et on va te level up. Voilà. On a beaucoup trop de points de mine. Pas quelque chose. Vienne, Rome. Milan, Venise... Nemours. On pourrait augmenter un peu Nemours. Ouais, allez. Voilà. Nemours, comme ça, t'es tranquille. Bon, là, on est en train de prendre des... Termine les conversions. Et je crois qu'on va devoir s'arrêter vraiment là, parce que ça fait 25 minutes que je dis ça, j'ai l'impression. Voilà. Alors, c'est peut-être lié à notre surexpansion. Non, même pas. Bon, côté positif, quand on aura terminé... Alors, on va quand même manger la bohème. Parce que là, ça va être terminé très rapidement. Bon, ici, c'est un sacré bourbier, quand même. Non, là, nos vassaux commencent quand même à gérer.
Voilà, parfait. Ça va calmer le jeu. Hop là. Et on va... On en a combien en surexpansion là actuellement? On a 50, c'est parfait. Très bien. Alors, Bohème, bah t'existes plus en fait. Voilà. Ça nous fait 57. On va attendre que ces légitimations se terminent. Pour être tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Les clercs gagnent 10 d'influence, soit. Et là... Non, on n'a pas on a besoin de rien, en fait. Tout baigne. Parlant de tout baigne, est-ce que vous avez des problèmes? Non. Ah, le Danemark, t'as une dette. Waouh! Ah oui, t'as des dettes, mon coco. Je sais pas ce qui se passe, mais oui. Faudra redéclarer la guerre à la Suède. Bon, ils font tout. Bon, franchement, c'est pas utile qu'on se casse la tête plus que ça. Ici. Je pense qu'ils gèrent relativement bien, nos amis. On va peut-être leur dire bonjour ici. Ça, par contre, je suis vraiment pas fan de l'idée, quand même. On en a combien avec les Portugais en termes de score de guerre avec eux? On est qu'à 3%. Parce qu'on gagne pas beaucoup de batailles. C'est le tarif. Le score de guerre, il évolue... Non, il stagne, en fait, ouais. Bon, c'est très bien, on va attendre encore une fois. Hop. Voilà, là, on a tout qui apparaît. Voilà, et là, maintenant, on peut terminer cette guerre et l'épisode qui va avec. Je revérifie... Waouh. Ah, bah voilà, là, ils sont à 80%. Il va falloir les retirer de quelque part, les bourgeois. On va les retirer de... De où? Bon, on va les retirer de Nantes. Ça passe pas encore. Les tirer de Franche-Comté. J'ai pas envie de les retirer de Lyon non plus. Ici, on s'en sert. Prague aussi, on s'en sert. Bordeaux aussi, on s'en sert, mais on est à une... Pff, ouais, non, allez. Hop là. Et on la remettra le moment venu. Ah, ça, c'est ballon, par contre. Bon, on va s'en occuper après. Donc, ce que je voulais voir, encore une fois, pour... avant de terminer cet épisode, la Louisiane française. Alors ça, oui. La Louisiane française, donc on va... Oui, ça va être très joli, une fois que ça sera terminé. Et on va même continuer comme ça. Et on va même faire comme ça. Voilà, comme ça on se sert de tous nos colons. Je voulais faire ça. On est à 7%, donc oui. Oh non, vous débrouillez avec ça. Donc on est à 7%, donc on va faire Bohème. T'existes plus, merci d'être venu. Voilà, hop là. On va légitimer tout ça. Ensuite. Oui, c'était le petit truc là. Voilà, Augsbourg. T'existe plus. Merci. Voilà. 75 en surexpansion, et voilà. Mais, on va s'arrêter là, cette fois-ci, c'est pour de vrai. Belle France révolutionnaire. À Moscou, c'est vraiment à portée de main. Là, c'est Moscou, si je me trompe pas. C'est... Moscou, voilà, j'étais pas loin. C'est ici, donc franchement, on l'aura très rapidement. On va récupérer tout le nouveau monde. Et on va commencer à s'orienter vraiment vers l'Indochine. Là déjà on va reprendre tout ce qui est au Mamelouk. Alors je pense, les Mamelouks, je sais pas, on est qu'à 16% hélas avec les Mamelouks. On est qu'à 16%, c'est un peu dommage.
Bon, j'aimerais bien juste les exploser pour leur montrer comment ça se passe chez nous. Voilà, les séparatistes, veux-tu en voilà. Le problème de ces guerres, en fait, c'est que c'est nos vassaux qui gèrent tout, quoi. Et bah les vassaux qui gèrent tout, c'est, on sait ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Amélioration des relations ou agitation dans le pays moins 1, oui, clairement. Allez, on récupère ça. Ça nous fera du score de guerre, c'est très bien. Et on on fait ça. Et on a trop de points diplo. Et on va développer le pays une dernière fois. Où est-ce que c'est utile? Hambourg, ouais, mais c'est Sienne, ça peut être intéressant. Ouais, Sienne, on va développer, allez. Un petit coup comme ça. Là aussi, ça peut être intéressant. Ça, tu nous lâches. Voilà. Ce jeu est une drogue. Je dis à chaque fois que je vais m'arrêter, mais je continue. Voilà. Bon, là, on va vraiment s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens.